Mesdames et Messieurs, quoi, bonjour, bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a regardé et recevoir Chanel ça. Eh bien, mauvaise nouvelle pour ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Eh bien, t'assemblé, nouvelle âme, bien dit t'assemblé. Et monsieur a fait un accident machine en France. Donc, on est la mode de quitter le pays des États-Unis et d'assembler et gagnons machine qui ont entré sous machine ancien premier ministre. Il fait un terrible accident dans ce moment-là et bruit la mort les courir. Est-ce qu'il est mort parce qu'il était couru l'hôpital avec lui pour qu'il y ait monde qui connaît. Donc, est-ce que réellement ancien président ancien premier ministre haïtien, on connaît Laurent Salvador Lamotte lui-même qui était ministre sous gouvernement, sous président et Michel Joseph Martelly, Laurent Lamotte qui s'est nek 25 stade là. Donc, on dit une mauvaise nouvelle parce que depuis mon mourir, il faut qu'on considère ça comme une mauvaise nouvelle, mais pour les Haïtiens, si tout le monde a sorti dans le sein, il est content. Mais moi-même, je suis réjoui dans la mort du monde. Donc, est-ce qu'il est mort? Donc, mais ancien Premier ministre, il est vraiment, vraiment grave. Donc, vous faites tant de nouvelles ça sur Chanel ça. On va checker sur un site internet, là. Et que plusieurs médias internationaux qui ont posté nouvelles là et bagaille vraiment compliqué et compliqué. Alors mesdames et messieurs, Ariel Henry décidé bail chauffeur yo une petite subvention une façon pour capable descendre course machine là. Est-ce que c'est ça Ariel Henry ouais cap bon pour peuple là en tout cas. Et dégoûté mieux passer par pisser parce que grand monde toujours dit ça. En tout cas, Ariel Henry fait j'effort. L'autre bord, mesdames et messieurs, gagné PNH là qui continue à frapper côté des fonds passés tabac là. Yo vraiment fait gros, gros, gros opération dans tabac et population bat bravo la contentement pour PNH là. Les mêmes t'es fait yon bon. Opération dans tabac, malheureusement, il n'y a pas de point invité l'homme, parce que c'est vite l'homme qui est problème, non? Il n'y a pas de point invité l'homme, en tout cas. Et la police encore a annoncé qu'il a fait une grosse opération en bas de Cabrit, côté écrasé, tout côté, si monsieur 400 maroiseux qu'on logeait pour bail problème. En tout cas, mesdames et messieurs, bagaille compliqué pour ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte et Toa mouri en France. Donc, c'est confirmé, Toa mouri en France. On va écouter déclaration ministre Ricardin Saint-Jean, ministre commerce et industrie, dans l'interview, ça a été accordé Peterson à Luxama hier sous programme ça qui portait nos cartes pétrolières qui était annoncé ça gagne quelques temps mais qui pas jamais atterri. Ou te dit Johnny, c'est un total 25 000 chauffeurs qui a gagné pour recevoir subvention ça d'après ministre commerce là. Initiative ça c'est pour diminuer prix coûts machinaux. C'est une croix ministre Ricardin Saint-Jean qui fait qu'on est gouvernement prévoit de décaisser 1,6 million de gourdes pour démarrer programme ça qui n'est pas opérationnel dans pas trop longtemps. En côté, ministre Ricardin Saint-Jean, à micro, Peterson Lixama. C'est vrai, les printemps, mais ça parle dit à l'intervalle, pas de gain, de, je dirais, les bails qui t'a fait pour le dériver à terre. Son processus était complexe. Pas oublié, son bail n'a testé pour la première fois, il demandé un ensemble de mesures qu'il pour prendre pour assurer que ça ne voulait faire un bail qui est contraire à lui. Oui, j'en dis, je pense que nous arrivons à un niveau côté que le programme n'a pas atterri. Laissez le rappeler, certainement, nous stats avec 25 000. Pourquoi ça 25 000? Parce que la prévision, c'est tout donner, montrer qu'il y a autour de 100 000 et plus en termes de monde qui est dans le transport en commun. Généralement, quelqu'un qui a le transport en commun, tout le monde qui a le transporté là, nous considérons comme transport public. Et prévision, en fait, pour 100 000, comme un programme social que le gouvernement a porté, je dis à la.
première avance qui fait là, c'était 25%. Et 25%, nous faisons de manière proportionnelle. 25% de 100 000, fait 25 000, c'est ça qui fait que c'est 25 000 pour la compagnie. Mais une fois 25 000 là, fin touché, c'est vraiment, le montant étant disponible, c'est oui, mettez, restant disponible à pour continuer à accompagner les chauffeurs. Donc, commission que nous te mettez sous plié, qui est la commission nationale de chauffeur, ciblée, qui est la donne, qui est quatre dans l'État avec les principaux syndicalistes. Dernièrement, je vous rappelle, ensemble de monde qui fait partie de la commission, ça a été dans 10 départements, pour y appréquer les données. Mais nous recevons des données là, quand nous, au niveau du secteur commerce et de l'industrie. Côté ma parole, je ne sais pas exactement qui quantité liée, parce que c'est une cellule technique qui a entré les données et qui a transféré par IHSC, quoi, le jeune partenaire là, c'est Bandari. Données au fini, il a entré au fur et à mesure. Chaque donnée, quand il y a des potries qui fait, données à entrer, n'a pas voulu, IHSC a transféré par Bandari. Une fois au fini absorbé pour quantité ça, il a pour recharger contre le secteur commerce encore, qui a fait même processus ça, à suivre le voyage par partenaire là pour continuer à financer. C'est pas un tri qui fait, il a dit, je choisis 25 000 ça. Données à entrer, premier groupe de données qui arrive joindre IHSC avant, qui veut par Bandari. C'est les mêmes, pas con. C'est comme si pas con trifait. Je vous dis, est-ce que donner le recevoir déjà, sans recevoir déjà dans le ministère, est-ce que vous 25 000 déjà, je ne suis pas sûr. Mais comme donner à continuer d'entrer au fur et à mesure, c'est mécanisme. Quel est le processus là, l'IAP opérationnel? Quel est exactement conducteur a dit voilà, me recevoir pas. Nous avons une date nous fixer okay, pour ça. Le montant il transfère déjà là, le jeune qu'on a pétrolier là. Ça veut dire que en rechargeant 4 pétrolières, c'est d'un clic. Je ne vais pas le dossier fin semaine ça parce que je pensais que. Il faut qu'il y ait une forme de cérémoniel qui fait pour remise là. Même bien garanti que la semaine à venir, les quatre y a distribué normalement à condition hein, qu'il y ait même pour aller pour commencer à distribuer à secteur. Voilà, précision, ministre commerce Henri Cardin Saint-Jean, mais nous apprendre, c'est 1,6 milliard de gourdes que vous prévoyez. C'est 1 640 millions. Ok. Pour démarrer ou bien pour projet pilote là. Ok. Regardez ça s'abaille. Ça s'abaille. Je suppose là où dit projet pilote, si ça marche, il y a évalué lui. On va le tester. Ça, on va le faire. On va aller là jusqu'à là. Ok. Mais projet pilote là, il prévoit toucher 100 000 conducteurs et une enveloppe de 1 milliard 640 millions gourdes. Gouvernement est mette disponible pour ça. Et dans enveloppe ça, il y a 400 millions de gouttes qui débloquaient déjà, qu'elle joigne en compagnie qui est les Bandari Total. Et à partir de semaine prochaine, il y a 25 000 transporteurs, conducteurs qui doivent bénéficier 4 pétroliers ça. Chaque 4 abgés sous lit, au minimum 15 000 gouttes. Ok. La police nationale d'Haïti, depuis un bon bout de temps, lance une série de batailles sous tout front. Nos objectifs pour combattre grand banditisme là sous toute forme, tant que kidnapping, traquer et puis arrêter toute malfaçon qui pensait, yo capable terroriser population. PNH là, nan souci pour continuer remplir mission li, protéger la vie avec bien citoyen yo, malgré manque moyen, institution a continuer faire opération avec intervention policière yo. Nan sa ça, nan commune Taba, puis précisément dans zone Tapage, Tossel et Diwon, peigné pour citer ça seulement. Au commandement, continuer développer stratégie avec intensifier intervention force l'audio dans l'idée pour permettre population mener activité li comme ça doit. Dans cadre opération ça yo, la police déjà metté en bacode plusieurs individus pour affiliation yo à gang Kaze Barrière que chef gang vite l'homme innocent a dirigé. Force l'audio arrêté dans jour qui saute passé yo, Fabiola Janvier en bacode alias Fabiline, madame Nono, yon ancien bras droit chef gang vite l'homme. Ronald Saint-Cyr, en bas code. Kislan Saint-Cyr, en bas code. Qui gen Tino Lalon, qui c'est madame bras droit tapé, chef gang tapage là. Sous instruction commandant chef la France LB, opération après possible dans diverses zones, chef gang crasé barrière à vite l'homme innocent, tabli base li jusqu'à ce que force l'audio rive arrêté ak tout acolyte li yo. Police nationale là, toujours compter sous bon gens collaboration population. Nan bataille la mené pour démonter toute foi et gang yo nan pays.